Dans Demain nous appartient, la réconciliation est en vue pour Raphaël et Martin. Jessica reçoit un message extrêmement menaçant de Dirty Jessica. L'orage gronde au-dessus de Sarah et Roxane. Jeudi 18 avril 2024 dans Demain nous appartient. Jessica et Charles se retrouvent au domaine viticole pour parler du défilé à venir. Ils essaient de convaincre Victor Brunet, le propriétaire du lieu, de l'organiser dans ses murs. Mais ce dernier refuse catégoriquement. Le défilé de la jeune femme pourrait ne pas voir le jour. Mais ce n'est pas la seule menace qui rôde autour de la jeune femme. Demain nous appartient en avance, bientôt un désaccord profond entre Sarah et Roxane. À l'hôpital, Sarah vient de passer un examen médical, Soicycle informe que ses analyses sont parfaites, ce qui rassure la jeune femme, qui avoue bientôt qu'elle songe à donner un petit frère ou une petite sœur à Enora. Soicycle la soutient totalement dans cette envie mais Sarah l'informe qu'il ne s'agit que d'une idée et qu'elle n'en a pas encore parlé avec Roxane. Peu de temps après, au commissariat, Roxane offre une belle robe à Sarah, lui glissant qu'elle a envie de sortir, de danser, de se mettre la tête à l'envers, de faire la fête, de faire l'amour, de jeter au feu les couches et les bavoirs. Un peu plus tard, Sarah confie à Bart son désir d'agrandir la famille mais craint que Roxane ne soit pas sur la même longueur d'onde. Le soir venu, les deux jeunes femmes sont au Spoon, prêtes à faire la fête. C'est alors que Sarah annonce qu'elle souhaite un second enfant, à la grande surprise de Roxane. Demain nous appartient en avance, Raphaël et Martin se pardonnent enfin alors qu'ils font leur jogging en bord de mer, Martin et Nordine croisent Raphaël, elle aussi en plein exercice physique. La tension est toujours palpable et la jeune femme trace vite son chemin. Cette réaction fait péter les plombs à Martin qui ne comprend ce qu'il peut bien faire pour améliorer leur relation. Il déclare alors qu'il laisse tomber. Au Spoon, Camille et Maud s'entretiennent avec Nordine, le trio échafaude bientôt un plan pour faire se rabibocher Raphaël et Martin. Ce stratagème commence par la convocation au commissariat de Raphaël, qui se retrouve bientôt emprisonné dans une salle en compagnie de Martin. Cette mise en scène porte ses fruits, après avoir eux aussi joué un mauvais tour à leurs enfants, Raphaël et Martin se demandent finalement pardon. Demain nous appartient en avance, s'il défile, tu crèves, Jessica en grand danger. Timothée poursuit ses recherches afin de découvrir qui a posté, sous le pseudo Dirty Jessica, la vidéo intime de Jessica et Charles. Mais la tâche est ardue, la personne ayant créé le compte a utilisé une carte prépayée, rendant difficile de remonter jusqu'à elle. De retour chez elle, Jessica confie sa déception à ses parents par rapport au défilé. C'est alors que Charles débarque. Il tente de lui remonter le moral. Cette attitude prévenante met la puce à l'oreille à Christelle, qui se demande s'il n'a pas des intentions cachées. Au domaine, Violette intime Philippine de convaincre Victor Brunet d'organiser le défilé au domaine. Inflexible, ce dernier écoute malgré tous les arguments, notamment par rapport aux retombées pour son entreprise. L'après-midi, en plein essayage des vêtements chez Jessica, Charles reçoit un appel du propriétaire du domaine viticole, il accepte finalement d'accueillir l'événement. C'est alors que, bien caché, un photographe prend des photos volées de tout ce petit groupe en train de célébrer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle n'efface pas les suspicions de Christelle, elle a l'impression que quelque chose se trame et que Victor Brunet ne cherche, au fond, à se jouer d'eux. La journée se termine au Spoon pour Jessica et Charles.
CST alors que la jeune femme voit une publication de Dirty Jessica sur les réseaux sociaux. Sur une photo prise chez les Moreno pendant l'essayage apparaît une inscription, « S'il défile, tu crèves ».